Y a-t-il suffisamment de moutons dans les parcs à bétail du district d'Abidjan pour permettre aux fidèles musulmans de sacrifier au rituel de la Tabaski? C'est pour s'en convaincre que le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, passe en revue plusieurs parcs ce lundi. De Williamsville à Port-Boué, en passant par Abobo, Yopougon et Atékoubé, le ministre s'est fait une idée de l'offre disponible, des bêtes en quantité suffisante et saine. Nous avons fait le tour de tous les marchés. Nous avons compris qu'il y a un travail remarquable qui a été fait dans le cadre des contrôles vétérinaires. Et ça, c'est important. Notre objectif, c'était d'atteindre 80 000 têtes de moutons. Aujourd'hui, nous sommes à près de 120 000. Ça veut dire que notre objectif est atteint contre 55 000 l'année passée. En s'imprégnant du niveau d'approvisionnement des parcs, l'émissaire du gouvernement s'est aussi invité quelquefois dans la spéculation pour rendre les bêtes accessibles à des bourses relativement faibles.